Aujourd'hui, on est le 2 juillet et je pars à Rennes. Déjà super en retard. Hier soir, j'ai tous mes amis qui m'ont organisé un anniversaire surprise pour mes 18 ans en avance. Du coup, ce matin, le réveil a été un peu dur. Mais bon, ça va, je suis entière. Franchement, il y a juste le réveil qui a été dur, là, ça va. Mais en fait, pour vous expliquer le délire, j'ai pas eu le temps de finir tous mes cartons. Du coup, j'ai qu'un carton et j'ai quelques affaires dans des sacs. Du coup, j'ai déjà emmené ça et il faut de toute façon que je finisse de tout mettre en place à Rennes. Et du coup, oui, je suis en retard. On a une heure de retard. On est censé partir à 8h et il est 9h. Et en plus, c'est moi qui conduis, donc ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire. Ah, mais j'ai eu un Polaroid pour mon anniversaire. Et je trouve ça trop bien. Bah, je vous montrerai plus tard parce qu'il est tout emballé, etc. De toute façon, je mettrai des photos sur Instagram, je pense. Et donc, voilà, on va y aller. Enfin, je vais y aller en tout cas. Et puis bah on se retrouve à Rennes. Donc on est arrivé à Rennes, c'est le bazar pour circuler comme d'habitude et pour se stationner. Et donc là je vais décharger toutes mes affaires. Et puis voilà, cet après-midi on va faire quelques courses, genre acheter des pâtes, des boîtes de conserve, enfin des petits trucs qui se périssent pas, qui ne se périssent pas. Bref. Et je crois que c'est... Qu'est-ce qu'on fait d'autre aujourd'hui? Je sais plus, je crois que je vais en ville aussi. Et normalement, je dois aller acheter une armoire. Déballer les cartons. Installer les petites affaires. Et voilà! J'ai pas trouvé mon compte fil, etc. Il faudra que je continue à chercher. Je vais aller regarder sur internet tout simplement. Et donc là, je vais aller faire quelques courses parce que j'ai rien en fait. On va acheter genre des pâtes, denrées non périssables, etc. Puis après, on va rentrer tranquillement. Je me suis promenée dans Rennes et tout. J'ai vu la cathédrale de Rennes et elle est vraiment genre juste sublime. Il faut vraiment que j'y retourne parce que j'ai pas pris le temps d'aller la regarder attentivement. Et donc voilà, je vais y aller parce qu'en fait, on m'attend. C'est parti! Donc je viens de rentrer et je voulais vous montrer du coup le Polaroid que j'ai eu pour mon anniversaire. Et voilà. Il est trop beau. Ce que je trouve en plus génial avec les Polaroids, c'est qu'en général quand vous prenez des photos avec un réflexe, vous prenez pas le temps de les développer ou c'est très rare. Personnellement, je développe très rarement mes photos de réflexe. Ou alors j'ai déjà fait
un album photo avec mon album photo. Et ce qui est bien avec les Polaroid, c'est qu'elles sont développées instantanément, du coup. C'est d'ailleurs le problème, parce que si vous êtes avec des potes et que vous prenez des photos, en général, ils les veulent à chaque fois. Et donc, je suis trop contente. En plus, il est trop beau. Je vais vous le déballer pour vous montrer. Voilà ce que ça fait une fois déballé. Il est beau, hein. C'est un vrai, il est grand beau. J'ai trop peur de l'abîmer, en vrai. Ça, c'est con. Ça fait ça par rapport à ma main. Oui, je sais, mon vernis est dégueulasse. Faut que j'enlève. Il est trop beau. De toute façon, vous allez sûrement le voir sur Instagram. Je sais pas encore comment ça s'utilise. Parce que ce week-end, j'ai pas eu le temps d'utiliser... Enfin, de lire la notice. Et de l'utiliser, d'ailleurs. Parce que comme j'étais à Rennes, j'avais plein de trucs à faire, je l'ai pas emmené. Parce que j'aurais pas eu le temps, de toute manière. Je suis trop pressée de l'utiliser. Et franchement, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai aucune idée de comment ça s'utilise. Et le fun fact, c'est que une semaine avant qu'il me fasse mon anniversaire surprise, je suis passée devant un photographe et j'ai dit à plusieurs personnes que j'aimerais trop avoir un Polaroid. Et ces personnes ont dû bien rigoler. Donc si vous passez par là, je vous fais un gros bisou. Je vous dis un gros merci parce que ça me fait genre trop plaisir. J'en voulais vraiment un. Et je suis trop contente. Voilà, j'ai un réflexe en argentique à Polaroid. Je suis équipée, je pense, en appareil photo. Voili voilou. Coucou tout le monde, on se retrouve. Il est presque 7h et je suis rentrée de Rennes. Donc en fait, je vous ai pas vlogué la journée. On est dimanche parce que j'ai fait du ménage et du rangement toute la journée. Et c'était pas vraiment hyper intéressant de vous vloguer. Et donc du coup, je vous ai mis des petits bouts de l'appartement. Et en plus, l'appartement n'est pas fini, donc ça sert à rien de vous montrer quelque chose qui n'est pas fini. Et de toute façon, vous le verrez dans des vidéos ou des vlogs, etc. à la rentrée. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, du coup, je vous ai montré mon Polaroid. Je trouve ça de l'utiliser. J'en peux plus, là. Je suis comme une petite fille à Noël qui a eu ses cadeaux et qui n'a pas le droit de toucher, c'est horrible. Et donc voilà, ce vlog va se terminer maintenant parce que je vais aller me doucher, je vais ranger ma chambre parce que comme vous le voyez c'est le bordel parce que je suis rentrée vendredi après mon anniversaire surprise du coup et j'ai pas eu le temps de tout ranger. Et donc voilà, après je vais monter ce vlog parce que j'adore monter mes vlogs dans la foulée où je les ai filmés. Et c'est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.